c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous du mardi soir. Et c'est Joker Fox qui va se faire. Hein. J'aimerais bien avoir un verre d'eau par contre. Parce que je commence à avoir la gorge sèche. Arnaud, tu peux me ramener un verre d'eau s'il te plaît? Ouais. Tant pis. Bah tant pis. Et en attendant, le match a commencé direct. Foxa qui pour l'instant a un léger avantage au pourcent, qui trouve des confirmations, enfin des... Il trouve des trucs. Ah, le tilt qui ne convertira pas sur un deuxième. Oh, le donner qui a tapé directement dans le counter, qui a permis de charger Arsène pour Foxa. On est très even et au niveau des pourcents. Hein. Je sais pas du tout le set camp pour qui il est. Pour l'instant, Foxa par contre qui prend cet avantage. Arsène qui arrive et là maintenant c'est pour Foxa, c'est maintenant qu'il faut confirmer. Et le deuxième hit du donner qui a déconnecté. Hein. On commence à avoir l'habitude. Hein. À Bordeaux, on voit beaucoup de jokers et le nombre de donners qui déconnectent. Momon qui se laisse pas faire vraiment. Et voilà. Joker est parti. J'allais dire que ça allait être plus dur pour Joker de tuer, mais non! Mais non, regardez! Momon a raté son up smash. Et ben Joker, il est arrivé, il a dit j'ai 36 frames de lag pour te punir. Mais j'en profite, je vais te juste up smash. Et ça suffit! Alors, cette couverture à coup du up B, j'avais jamais vu, c'est incroyable, je trouve ça trop cool. On dirait mêlée. Il y a là, Momon qui doit trouver la stock, il cherche des trucs. Malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser ce backer qui ne tuera pas. Hein, il attendait qu'une chose, hein, il espérait le jump. Il espérait le jump en attendant Foxa qui gratte petit à petit les pourcents. Il veut profiter de cette stock d'avance et en plus c'est un retour de Arsène, donc possiblement s'il arrive à trouver un confirm. Et non, ce sera le backer de Momon qui va toucher en premier. Il revient even au stock, mais malheureusement c'est pas la même pour les pourcents. Déjà 80% du côté de Fox pour 0 du côté de Joker. J'ai menti, c'est 29, 44, 58. Et ce counter qui a été trouvé pour dire hey, oh, ça va 2 minutes, tu m'as mis 50%, d'accord, t'es bien mignon mon coco. Mais voilà, hein, je suis pas là pour me laisser faire moi non plus. Et il est complètement revenu even au pourcent, voilà. Il y a 10% d'écart. Fox, voilà, c'est Fox, ça trouve une face. Par contre, Arsène qui est perdu du côté de Joker, ce qui va permettre à Momon. Et ben voilà, Momon qui trouve cette stock avec ce up smash alors qu'il était en retard de quasiment une stock. Et là, le backer, Foxa qui dit non, 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 tu ne mourras pas. Et le down smash qui a été trouvé sur une mauvaise Rico. La scène n'est pas à jour. Ah oui, pardon, merci. Merci, vous faites bien de me le dire. Il me semblait l'avoir fait, autant pour moi. Voilà, excusez-moi pour ça. En attendant, le temps de changer ça, du coup, Foxa a récupéré un léger avantage au pourcent. Mais Momon nous a bien prouvé que ça voulait rien dire. Il peut être en retard au pourcent, mais quand même gagner, prendre la stock. Et voilà, c'est déjà de nouveau even. Foxa qui a counter, hein, il a eu raison. Hein. Tu fais quelque chose de pas trop, t'inquiète pas, je le sais très bien, je peux me permettre de counter dedans. La dash attaque et le upper qui vient d'être trouvé et ça va tuer. Momon qui va prendre la première stock là-dessus. Je fais que dire la première stock, pardon, excusez-moi. Le premier set là-dessus, enfin la première game. Il a la première game là-dessus. Et là maintenant, est-ce qu'il va juste dérouler ou est-ce que. Ou est-ce que Foxa va revenir au score? Et je pense que Foxa a juste envie de revenir au score et que Momon a envie de concrétiser. Allez, Momonga. Oh là là, Momonga, ça fait longtemps. J'adore les renards. Ok. Foxa qui veut y aller. Il veut y aller de manière safe. Momon qui... Plutôt que d'éviter de se faire punir, hein, il fait juste jab 1, jab 2.
En attendant, Foxa qui cherche à gratter les pourcents petit à petit, le temps que Arsène se charge. Voilà, Arsène, il arrive à le chercher. T'es un roi, mec. Je te dois combien? T'es sûr? T'es un roi, Arnaud. Et alors, excuse-moi, deux petits instants, faut que je boive. Le temps que je dise ça, Momo qui prend la première stock sur ce double upper. Oh là là. Ah, EPR, le deuxième n'a pas été trouvé, il y a quasiment une stock. Enfin, il y a une stock et quasiment autant de pourcents d'avance. Le down smash qui vient d'être trouvé. Enfin, on a vraiment des fils de mêlée sur ce comment. Alors, le back air, est-ce que ça va suffire pour tuer? Foxa qui se SD là-dessus en voulant aller chercher trop bas. Momo qui va concrétiser le doublé là-dessus. Et ça y est, il veut schmouver. Enfin. Oula, que veut faire Foxa là? Que veut. Oulala, ça a bien failli être un drame hein, là-dessus. En attendant, voilà, Foxa qui dit voilà, c'est bon, ok, j'ai ma stock de retard, mais faut pas que je me laisse faire. Il se laisse pas faire. Oh, il a directement quasiment récupéré. Il a quasiment perdu Arsène, récupéré Arsène. C'est allé si vite. Il est trop fort. N'oublions pas que Momo aussi est trop fort, parce que là Momo il a juste à concrétiser le but et c'est bah clairement hein, deuxième game. Et Foxa qui se laisse vraiment pas faire hein, ce up smash qui vient d'être trouvé. Momo qui a tenté le up smash. Le nerf up smash et le nerf up smash qui vient d'être trouvé. 2-0 pour Momo. Il a voulu concrétiser le doublé, il en a réussi. Et normalement, prochain match, je saurais pas vous dire ce qu'il y a. Il a fait mal ce SD de la part de Foxa. Il a vraiment fait mal.